Cette semaine, dans Carnet de santé, c'est Octobre rose et la lutte contre le cancer du sein s'intensifie. L'expérience et la sensibilisation d'une victime du cancer du sein fait du buzz sur la toile. Et le professeur Mokhtar Touré revient sur la prise en charge de la maladie en Afrique. Enfin, des couveuses interactives au Cameroun pour réduire la mortalité néonatale. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. On n'en parle pas souvent en Afrique et pourtant le cancer du sein touche de nombreuses personnes sur le continent. Le mois d'octobre, aussi appelé Octobre rose, sert à intensifier la sensibilisation et les actions concernant la maladie globalement. 2,3 millions de femmes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020 et 685 000 personnes en sont mortes, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 60% des victimes se trouvent dans les pays dits sous-développés et la majorité des cas sont diagnostiqués à un stade avancé. On commence ici aux États-Unis où une Californienne d'origine éthiopienne, Mahet Girma, a découvert qu'elle avait un cancer du sein en 2017. Elle a par la suite partagé son expérience sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt. Mahet a récemment perdu la bataille contre le cancer, mais son message demeure. Eden Guéreme de VOA raconte avec la voix de Claire Morin-Gibourg. Si vous voyez cette vidéo, vous connaissez probablement la fin. Vous comprenez probablement ce qui s'est passé. Je n'enregistre pas ça pour que vous puissiez pleurer ou quelque chose comme ça. J'enregistre ceci pour vous encourager dans ce périple. Ce fut le dernier message que Mahet Girma, 46 ans, a envoyé via YouTube à ses abonnés. Il a été vu plus d'un demi-million de fois. Mahet actualisait son blog depuis plus de 4 ans sur son diagnostic et son traitement du cancer du sein. Née en Éthiopie et élevée en Californie, Mahet est issue d'une famille de survivants du cancer, comme sa mère. Quand j'ai été enceinte d'elle, il y a eu une grosseur dans ma poitrine et j'ai dû la faire retirer. Après cela, j'ai eu d'autres kystes plusieurs fois, dont les biopsies se sont révélées toutes négatives jusqu'en 2015, puis j'ai reçu le traitement. La première fois que Mahet a trouvé une grosseur dans son sein et l'a fait enlever, c'était à l'âge de 17 ans. Heureusement, ce kyste n'était pas cancéreux. Ensuite, comme Mahet et sa mère ont dû faire retirer plusieurs kystes, elles ont fait un test génétique qui a montré qu'elles étaient génétiquement prédisposée. Un an plus tard, Mahet a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Mais au lieu d'un combat silencieux contre la maladie, elle a commencé à vlogger, à filmer son voyage afin de sensibiliser le public au cancer du sein et à son traitement. What she did was a vlog. Avec son vlog, elle voulait tout partager avec tout le monde afin que si ces personnes traversaient cette épreuve, elles sachent quoi demander et à quoi s'attendre. Elle-même survivante du cancer, Moulou Biran Girma affirme que le soutien joue un rôle important pendant ce parcours. Un groupe de soutien solide est très important et doit être efficace. Il ne faut pas juste faire preuve d'empathie. Je me souviens qu'une amie venait à chacune de ses chimios et lui apportait quelque chose qu'elle aimait, et que cela rendait ce moment acceptable. Mahet Girma est décédée le 7 septembre 2021. Sur sa dernière vidéo, elle a enregistré un message pour ses abonnés, disant que son parcours ne définissait pas le leur, et encourageant les personnes luttant contre le cancer et tout autre défi à rester fortes. Mahet a également aidé diverses fondations dans sa ville natale. Le docteur Mokhtar Touré est professeur titulaire d'oncologie médicale à l'université Félix Houphouët-Boigny, unité de formation et de recherche en sciences médicales au CHU de Trècheville à Abidjan. Voici ses commentaires sur la maladie. Le cancer est une maladie de la cellule. Alors, la cellule mère, elle peut être agressée par différents facteurs de risque qui vont venir agresser le primum movens même de la cellule
et la cellule va acquérir une caractéristique fondamentale, elle se dérégule et elle devient immortelle. Et comme elle est immortelle, elle va détruire le tissu avoisinant, progresser à distance pour former ce qu'on appelle des métastases. Et c'est la métastase qui veut dire cancer généralisé, qui constitue la gravité du cancer. Ce sont des facteurs qui créent une imprégnation hormonale dans l'organisme. 1. La puberté précoce, avant l'âge de 9 ans. La ménopause tardive, après 55 ans. La première grossesse à terme supérieure à 55 ans, supérieure à 35 ans. Vous voyez, c'est tous des facteurs qui entraînent une imprégnation hormonale. À côté de ça, il y a l'obésité et la sédentarité. Il y a le tabac aujourd'hui qui est reconnu. Mais ça, c'est dans 95% des cas. Et puis dans 5% des cas, il y a des facteurs héréditaires. Lorsqu'on a une apparenté de premier degré, la mère ou la sœur, qui a un cancer du sein, le risque est multiplié par 3. Dans notre pratique quotidienne, toutes les femmes qui ont des cancers du sein africaines de race noire, elles ont leur puberté à 12 ans, elles ont leur ménopause à 50 ans, elles accouchent à partir de 18 ans. Donc, des facteurs qui ne sont pas corrélés aux facteurs classiquement décrits dans la littérature. Donc, il y aurait des facteurs intrinsèques à la femme africaine de race noire. Donc, une femme qui vient vous voir, qui a une boule dans le sein, on appelle ça en médecine un nodule du sein, c'est un signe qui permet de suspecter. Une femme qui vient vous voir, qui a un écoulement de sang au niveau du mamelon, écoulement mamelonnaire séro-sanglant. Nous, on sait, écoulement mamelonnaire séro-sanglant unicanalaire. Une femme qui a une déformation du sein, une femme qui a une asymétrie du sein, une femme qui a une plaie du sein qui ne cicatrise pas. Ce sont des signes qui doivent vous amener, surtout lorsque la patiente a plus de 30 ans, à suspecter, je ne dis pas confirmer, à suspecter un cancer du sein. Donc, à chaque étape, correspond une stratégie de traitement. Maintenant, à côté de ça, ça c'est le traitement du cancer. Mais la prise en charge du cancer est holistique. Il y a une prise en charge psychologique du malade, l'annonce du diagnostic. Parler au malade, parler aux parents, et même le médecin que je suis a besoin d'une prise en charge. Parce que le cancer, il y a une dualité cancer et mort qui est ancrée dans notre culture, dont nous tous, on est un peu désabusés. Donc c'est une prise en charge qui est holistique. Donc à côté de cette prise en charge technique, il faut une prise en charge psychologique. Donc on fait rentrer des psycho-oncologues dans la prise en charge. Vous savez ça mieux que moi aux États-Unis. Le facteur pronostic majeur de la prise en charge des cancers en Afrique subsaharienne, c'est la pauvreté et l'indigence. Au-delà de la prise en charge, il faut une prise en charge philosophique, relationnelle, aimer l'homme, aller vers les gens, comprendre leurs problèmes. Vous comprenez ? Éviter le stress, faire beaucoup de sport, manger moins gras, manger des fibres, de la vitamine, éviter les protéines animales autant que faire se peut, faire du sport, inscrivez-vous dans les centres de sport, ok, et puis riez beaucoup, évitez le stress oxydatif. Les experts disent que les registres de moelle osseuse ont peu de donneurs au sein des populations noires à travers le monde et sont inexistants dans de nombreux pays africains. C'est un vrai problème qui impacte la diaspora africaine en France, puisque l'origine ethnique des donneurs et des receveurs doit être le plus proche possible. Nous avons rencontré Corinne Tonnier qui mène un combat en France pour convaincre les communautés afro de se mobiliser et devenir donateurs. C'est un reportage d'Elam Le Cœur à Paris. Corinne puise toute sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses enfants. Elle est à la tête de l'association Courage du Listonier qui se donne pour objectif de combler un manque de donneurs de moelle osseuse chez les populations sous-représentées. Son combat, Corinne le mène depuis la mort de l'un de ses fils il y a 9 ans. Ulysse, décédé en 2012 à l'âge de 13 ans, était atteint d'une maladie du sang rare. La seule chance de guérir pour lui était de bénéficier d'une greffe de moelle osseuse venant d'une personne compatible. Une douleur insoutenable pour cette maman qui doit aujourd'hui encore sauver son autre enfant. Malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai un deuxième fils qui souffre également de la plasie médulaire qui nécessitera une greffe, on ne sait pas quand, ça peut arriver demain, après-demain, je ne sais pas, les médecins ne savent pas. La pénurie de donneurs au sein des communautés d'origine africaine est d'autant plus dramatique que les membres de ce groupe ethnique présentent une grande diversité antigénique. Il est donc beaucoup plus difficile que pour des Caucasiens de leur trouver des donneurs qui soient compatibles.
On essaye effectivement d'inscrire des donneurs africains partout dans le monde, sauf que la proportion des Africains dans les différents pays n'est pas forcément très importante. Il nous faut un grand nombre d'inscrits pour trouver celui qui est compatible. Par contre, on pourrait imaginer avoir des registres en Afrique et à ce moment-là avoir beaucoup plus de donneurs africains, lesquels pourraient servir soit pour être greffés sur place le jour où on arrivera à le développer, soit être prélevés pour donner à leurs compatriotes qui sont actuellement dans une diaspora un peu partout dans le monde. Pour un tiers des malades, les médecins arrivent à trouver un donneur dans le giron familial, mais pour le reste, donc la majorité, ils doivent poursuivre la recherche au sein des registres de donneurs non apparentés. Et la mission est extrêmement difficile puisqu'il y a seulement une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. L'Afrique du Sud va commencer la vaccination contre le coronavirus pour les adolescents de 12 ans à 17 ans et offrir une possibilité de troisième dose aux personnes présentant certains troubles d'immunité. Selon la loi sud-africaine, les enfants âgés de 12 ans et plus n'ont pas besoin d'une autorisation parentale pour se faire vacciner. Les enfants pourront donc recevoir une première dose du vaccin de Pfizer, une deuxième étant prévue après études approfondies des éventuels effets secondaires, a précisé le ministre de la Santé. Parallèlement, le Maroc a commencé à administrer une troisième dose de vaccin Covid aux travailleurs de première ligne et aux populations vulnérables au début du mois d'octobre. Au Cameroun, le taux de mortalité néonatale a atteint 28 décès pour 1000 naissances selon les chiffres. Pour pallier ce problème, une équipe d'ingénieurs a développé depuis 3 ans un incubateur interactif qui permet aux parents et aux médecins de surveiller en permanence l'état de santé des nouveau-nés prématurés. Thierry Kaoré a les détails. Dans cet hôpital de Bafoussam, des bébés prématurés pesant parfois moins de 2 kg, sont placés dans des couveuses « made in Cameroun ». Équipées de caméras, ces couveuses transmettent en temps réel tous les signaux vitaux des prématurés au personnel de santé et aux parents. Elles fonctionnent grâce à des batteries rechargeables par panneaux solaires, ce qui permet de faire face aux coupures d'électricité fréquentes dans le pays. Cette couveuse a plusieurs avantages. Parce qu'avec ça, on peut faire le monitoring à distance des bébés, c'est-à-dire on peut contrôler les paramètres du bébé à distance. Et puis avec la prévention aussi, les infections, les va-et-vient dans la salle, comme la maman n'a pas aussi accès tout le temps à la salle, étant même chez elle ou à l'extérieur, elle peut suivre son bébé, le moment de son bébé. Isabelle Toumi, mère d'un nourrisson né prématuré, a été admise dans cet hôpital il y a 2 semaines. Et son bébé va déjà mieux. Il a déjà un bon poids. Bon, sa couleur aussi, la couleur de sa peau aussi, qui n'était pas bonne, il est rosé, comme on a pu constater tout à l'heure. C'est une bonne chose. Et aussi, il pleut normalement. Voilà. Pour moi, c'est bénéfique. L'Agence universitaire pour l'innovation, à l'origine de cette initiative, a déjà vendu 18 couveuses à des hôpitaux publics et privés du pays. Déjà, elle fonctionne comme toutes les couveuses classiques, c'est-à-dire qu'elle ouvre aux prématurés l'étanchéité acoustique, les conditions thermiques idéales pour son développement. Tout ça par une régulation électronique. S'agissant d'un contexte particulier qui est le nôtre, on a tenu à ce que, en plus de ce contexte global, qui est donc une résilience particulière aux problèmes d'énergie, une interactivité pour permettre de le monitorer à distance. Et puis, du fait de notre présence, même une maintenance de proximité. À 2 millions de francs CFA l'unité, les acquéreurs ont aussi la possibilité de payer par échéance. L'Agence universitaire pour l'innovation dit qu'elle travaille avec le ministère de la Santé du Cameroun afin de doter les hôpitaux de 1000 couveuses dans les 4 prochaines années. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.